معكم أشرف. عليكم السلام ورحمة الله. صباح تشوف بيان. تري بيان ميرسي فو. الحمد لله يبارك فيك. سي إدريس لاباس؟ أهلا سيب، كتسمعني؟ وي Ah ouais, Cédric, il vient juste de nous rejoindre. Cédric, bonjour. Bonjour. Cédric. Allô, bonjour. Si... Ah bah ouais, ah ouais, t'lak, l'akhir. Cédric, qui dit, l'abbas Elik. Allah ybarak fik, alhamdoulilah. Bonjour, Cédric. Bonjour, ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Bienvenue au club. Merci, merci. Et je vous remercie pour l'invitation. Là, c'est tout le plaisir pour nous. Ça fait plaisir. Hein? Allah ybarak fik. Yallah, ktabiak. Et ouais, depuis un certain moment, chaque fois, on décale. Maintenant, il faut qu'on agisse. Exactement. C'est le moment, c'est le moment, Yak. C'est le moment, justement, pour parler un peu, pour discuter. C'est le 6, c'est Ashraf. C'est Ashraf. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alhamdoulilah, Allah ybarak fik. Je pensais faire c'est aussi sur Facebook. Y a que ça? C'est déjà fait, oui, c'est déjà lancé, oui. Parfait. Cédric, tu peux partager ce live il a brûlé sur la page d'Yalk directement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé le club des dirigeants, Thierry Poema, Thierry Maroc plutôt. Il a trouvé la page Facebook. La page Facebook d'Yalk club des dirigeants. On va dire, on va dire trouvé le live d'aujourd'hui, on va dire le partager. Merci. La page. Merci. Merci. واش هذاك لو ليان اللي درتي معايا البارح هذاك لان هذاك لا 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 سي ادريس غادي تدخل لاباج كلوب دي ديريجون بوين مات لاباج فيسبوك داكوغ ما عرفتش واش فوز افي ديجا ايمي لاباج باش كوم سا لا داخل ليها داخل ليها ايوا صافي دوك غادي راه كاين لايف تما ديجا ها هو وي سي بون شنو غادي ندير غادي دير لو بارطاجي في لاباج ديالك ولا فين ما بغيتي تبارطاجيه بارطاجيه دابا نقسم لو سون اللي عندك في التليفون ولا الاورديناتور اللي فيه الفيسبوك انا نقص الصوت ديالو وي حيد الصوت ديالو في مره باش ما يبرزش D'accord. Très bien. Thank you.
شحال دابا وصلت اليوم دابا دابا شحال عدد؟ اوني ا 20 سور فيسبوك. Il faut désactiver le son le live Facebook CF. دابا انا التليفون سديته. لا غادي ترجع نقص من الى من التليفون نقص غير من لو سون. لو سون زولته انا كامل في التليفون. التليفون كاع كومبليتمون صافي تري وي زولته كامل لا زولته. لا دونك مازال ولكن انا خرج من لاباج ديالي ونقيش في لاباج. لا سي العلاوي يقدر يكون عند شي حد اخر ماشي عند السي ادريس بالضروره. اسكو لو سون كوبي عند تو لي بارتيسيبون الي كوبي الي كوبي عند كل لي بارتيسيبون. تري بيان On démarre dans, à 13h10, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on a convenu, oui. Je pense que les personnes ils sont en train de nous rejoindre. On est à 13, là, les gens ils sont en train de nous rejoindre. Merci.
commence bientôt. Nous sommes à 16 maintenant sur Zoom. Je ne sais pas combien on est sur une petite minute et on démarre. Très bien. Charles, tu as une visibilité sur Facebook? Facebook, il y a 27 personnes. Achraf? Oui. Allô? Achraf? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. je te donne la main pour ouvrir la session. Très bien. Oui, je t'entends parfaitement. Je te donne la main pour ouvrir la session. Très bien, La merci. vidéo d'Idriss Là, vous pouvez essayer votre caméra, Cédric? C'est bon. Oui, là, c'est Alors, bon. C'est bon, ça c'est marche. quatre Oui. dames, oui, quatre dames. Parfait. À la barakatillah. Donc, bonjour tout le monde, bonjour. Ashraf? Oui. Oui. Vas-y, vas-y. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent depuis Facebook, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints sur Zoom. Aujourd'hui, le Club des dirigeants du Maroc continue son cycle de formation et de conférences et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Driss Effna, économiste de renom et notre hôte aujourd'hui. Il va nous présenter un thème très important qui s'intitule Les canaux d'installation de la crise et les voies de sortie potentielles. Je vous souhaite une bonne écoute et je souhaiterais remercier Monsieur Driss d'avoir répondu présent parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, le monde est face à une crise vraiment très particulière. On n'a jamais vécu avant de tel type d'événement. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, tout d'abord, je commence par les chiffres les plus actualisés concernant cette pandémie. Aujourd'hui, le monde il est à 3,66 millions de cas, 1,2 million de guérisons, 257 000 de morts. Pour le Maroc et pour le monde, tout d'abord, la situation, les perspectives selon mes modèles, moi que je fais j'actualise chaque jour. Donc, la situation ne va pas s'apaiser que jusqu'à novembre, hein, d'ici novembre. C'est-à-dire que la dynamique de virus et sa propagation va continuer encore jusqu'à la fin de l'année. Pour le Maroc, nous sommes à 5 382 cas, 182 décès et 1969 cas de guérison. Je pense que la situation de Maroc, il est très maîtrisée, ça c'est certain. Ce qui est très particulier pour le cas marocain, c'est que tout d'abord, il y a une faible propagation de ce phénomène-là parce que le taux par rapport à la population reste très faible sur les 56 pays les plus touchés par cette pandémie. Le Maroc, il est classé au 42, au 42e rang, c'est-à-dire qu'il est bien classé, il n'est pas assez touché. Il y a aussi une particularité de cas marocain, c'est que la courbe des guérisons commence à dépasser presque chaque jour maintenant le cas des nouveaux cas. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans le cas d'un R0 inférieur à 1. Et ça, c'est important.
Et tout cela, évidemment, peut donner aux décideurs la possibilité de commencer à déconfiner rapidement. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous savons que ce confinement, il a un coût économique exorbitant. Et chaque jour qu'il passe en confinement, c'est des manques à gagner en termes de ressources. C'est vrai que le Maroc, il a pris d'une manière très sage et rapidement plusieurs décisions qui ont permis aujourd'hui d'atteindre cette situation-là. Mais on doit toujours discuter, est-ce qu'il faut continuer à rester confiné ou il faut déconfiner rapidement pour pouvoir sortir. Donc nous allons par la suite discuter quelques cas à l'échelle mondiale des pays qui n'ont pas tout d'abord confiné. Il y a des cas dans le monde qui n'ont pas confiné. Et il y a des cas des pays qui ont déconfiné et qui sont aujourd'hui dans des bonnes situations. Et d'ailleurs, la Chine, il est à la tête de ces pays-là. Donc, ce virus, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour le monde? Donc, il a un peu paralysé les piliers de la mondialisation. Et surtout qu'il a tout d'abord poussé les pays à fermer leurs frontières. Il a aussi paralysé les échanges. Et aussi, la chose la plus importante, c'est la production, il est presque en arrêt. Et on n'a jamais donc imaginé qu'un jour, on va décider d'arrêter la production. Et d'ailleurs, même dans la théorie économique, cette question d'arrêt de la production n'existe pas. C'est-à-dire, toute la théorie économique, elle est basée sur une production continue. Et aujourd'hui, nous sommes hors cette... Or, les hypothèses, comme j'ai dit, de la théorie économique classique. Évidemment, cet arrêt brutal de la production et des échanges, il a causé un certain nombre de dégâts pour l'ensemble des pays, et notamment notre pays. Donc, évidemment, pour la crise, comme j'ai dit, il s'agit d'une crise très particulière. Normalement, dans les crises normales qu'on a connues, c'est qu'il arrive à travers l'effondrement, à travers les marchés. C'est le canal normal des crises qu'on a vécues jusqu'à aujourd'hui, celle de 2017, ce sont les marchés qui ont engendré la crise à travers un effondrement de prix. Pour cette crise-là, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas ni donc une crise de marché, ni effondrement de prix, mais ce sont les États qui ont décidé d'arrêter donc les activités économiques. Et c'est ça qui donne vraiment une particularité à cette crise. C'est-à-dire qu'il est le résultat d'une décision qui a été prise ou des décisions prises par les États de fermer les frontières, de déclarer l'état d'urgence sanitaire, tout cela, et d'arrêter les activités, tout cela, il a donné lieu évidemment à des manques à gagner terribles en termes de chiffre d'affaires pour les entreprises, le secteur privé. Il a subi cette décision de l'État, il ne peut pas faire autre que de respecter cet état d'urgence sanitaire qui a été déclaré par l'État. Aussi, le secteur privé, il a été privé de sa main-d'œuvre parce que l'État il a demandé aux populations de rester chez eux. Et tout cela, il a évidemment engendré des manques à gagner terribles. Donc, ces manques à gagner diffèrent évidemment selon les secteurs d'activité. Donc, une question à ce niveau-là qui se pose, est-ce qu'il y a un retour de l'État? Parce que j'ai entendu parler des débats, des discussions, c'est des questions, des gens qui parlent de retour de l'État à l'économie. Je ne pense pas qu'il y ait un retour de l'État, parce que l'État ici, il a été obligé d'intervenir, parce que les deux autres acteurs principaux de l'économie sont paralysés. Les ménages sont chez eux, on leur a demandé de se confiner, et le secteur public, on lui a demandé aussi d'arrêter totalement, partiellement son activité. Donc l'État reste l'acteur principal, c'est lui qui va gérer la situation provisoirement en attendant de sortir de cette situation. Ça, c'est pour sauvegarder évidemment les fondamentaux de l'économie à travers ces décisions.
Donc, pour moi, il ne s'agit pas nulle part d'un retour de l'État. Évidemment, face à cette situation, l'État, il a pris un certain nombre de décisions pour sauvegarder les acquis des gens. Pour les ménages, il y a eu des indemnités qui ont été distribuées aux ménages vulnérables. Pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi et qui travaillent dans le secteur formel, donc il y a des solutions qui ont été envisagées pour cette catégorie-là. Pour les gens qui travaillent dans l'informel aussi, des solutions ont été envisagées. L'État, il a mis en place un fonds spécial de COVID-19 qui a été alimenté par des donations. Il a atteint un montant aujourd'hui de 35 milliards. Et vraiment, c'est très spécial. Et ça, c'est une particularité de Camarocan parce que les autres pays, tous les pays du monde qui ont fait face aujourd'hui aux effets de cette pandémie, ils ont épuisé de leur budget. Pour le Maroc, et ça vraiment c'est très spécial, le Maroc, l'État marocain, il a mis en place ce fonds, il l'a alimenté par des dons, ce qui est vraiment, comme j'ai dit, très spécial. Ce fonds, il a permis aujourd'hui de distribuer un certain nombre de subventions, des indemnités, comme j'ai dit, aux ménages, aux personnes ayant perdu leur emploi, à quelques secteurs qui ont été touchés à aujourd'hui. Quelle est la situation au plan chiffre, hein, au plan chiffre, où nous sommes? Donc, nous avons à aujourd'hui les chiffres de premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars. Mars, il a été concerné presque à 15 jours, 10 à 15 jours au total, c'est-à-dire qu'on n'a pas exactement, à travers les chiffres de premier trimestre, la situation exacte de l'impact de cette pandémie sur l'économie. Mais je peux dire que le premier trimestre, il a été totalement sauvé. Et en comparaison à d'autres pays à travers le monde, la situation de Maroc reste vraiment très, très favorable. Donc, si nous prenons, par exemple, pour tout ce qui est budget de l'État, il a été totalement sauvegardé. Et même, il y a des acquis par rapport au budget général de l'État, parce que les recettes de l'État jusqu'à mars, ils ont augmenté de 8,1%, les investissements publics ont augmenté de 5,7%, et même il y avait un excédent budgétaire jusqu'à fin de mars de 6,3 milliards de dirhams. Et tout ça, vraiment, c'est extraordinaire par rapport à une crise qui a, comme j'ai dit, touché l'économie marocaine et l'ensemble des économies du monde. Comme j'ai dit, pour le cas du Maroc, et en comparaison, je vais donner après les chiffres à l'échelle internationale, nous allons voir que la situation des finances publiques, elle reste relativement meilleure pour notre pays. Donc, si nous prenons les importations et les exportations, donc pour les exportations, ils ont régressé de 10%. Pour les importations, ils ont régressé de 5%, c'est-à-dire que nos importations et nos échanges avec l'international, ils étaient touchés par cette pandémie, ce qui est normal, mais on observe à travers ces chiffres que l'impact n'est pas vraiment très, très fort jusqu'au premier trimestre. Probablement qu'au niveau du mois d'avril, les chiffres vont sortir d'ici 2 ou 3 jours, nous allons constater que ces chiffres vont baisser considérablement, soit en termes d'exportation, soit en termes d'importation, l'impact va aller de 20 jusqu'à 30%. Donc, en termes de taux de couverture, le chiffre est resté dans son niveau le plus normal, c'est-à-dire autour de 60%. Donc, pour les transferts des Marocains à l'étranger, ça c'est important parce que c'est une manne d'argent sur laquelle compte le Maroc beaucoup. Donc, il y a eu seulement une petite baisse de 4,7%. Et je ne pense pas que, je ne suis pas de l'avis des gens qui disent que cette rubrique va baisser après.
Donc, parce que cette solidarité va continuer, surtout avec cette époque de pandémie et les ménages qui ont été touchés au Maroc, les familles à l'étranger vont rester solidaires avec leurs membres de famille au Maroc et ces transferts ne vont pas être touchés considérablement jusqu'à la fin de l'année. Pour les recettes de voyage, jusqu'au premier trimestre, il y a eu une hausse de 2,3%. Donc, le tourisme, il allait bien jusqu'à premier trimestre. C'était une bonne année pour le tourisme. Malheureusement, ça ne va pas continuer de la même manière. Le mois d'avril, on va attendre les chiffres. La baisse va être considérable. Et on peut aller jusqu'à 70-75% de baisse sans problème. Et la situation, où l'ampleur de la baisse ne peut pas être estimée avec certitude d'ici la fin de l'année parce que tout dépend de plusieurs éléments dont nous ne maîtrisons pas. Surtout la question de la réouverture des frontières à l'international, les vols, tout ça. Donc, il dépend de tous ces éléments. Mais je ne pense pas que ce secteur-là du tourisme va perdre plus de 60%. Donc, il va garder minimum 40 à 45% de ses acquis. En termes des investissements directs étrangers au Maroc, nous avons constaté que jusqu'au premier trimestre, il y a eu une baisse de 17,1%. En principe, si nous revenons aux années précédentes, la situation, il est toujours comme ça. Toujours le premier trimestre n'enregistre pas assez d'investissements directs étrangers au Maroc parce qu'on rattrape toujours au milieu de l'année, à la fin de l'année. Un acquis important que le Maroc il a eu, c'est le prix de baril de pétrole. Le prix de baril de pétrole, il a baissé de 61 dollars au début de l'année à seulement 25 dollars. Le Maroc compte beaucoup sur. Et la facture pétrolière, il est exorbitante. Et je pense que cet acquis-là va soulager un peu les effets de la crise sur notre économie. Il y a eu aussi un acquis important, c'est l'amélioration de la valeur du dirham face au dollar. Donc, il y a eu une amélioration de 1,9% au cours du premier trimestre. Et ça, c'est important parce que nous savons que le Maroc, il a élargi l'intervalle de variation du dirham par rapport aux autres monnaies. Et cette variation jusqu'au fin mars, il a été en faveur du dirham. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que le fait d'ouvrir cette marge de variation du dirham ne va pas être au bénéfice du dirham. C'est le contraire qu'on a aujourd'hui vu, c'est que le dirham s'est vu plus fort. Et sa valeur s'est améliorée par rapport au dollar de presque 2 points. Donc, pour les crédits accordés à l'économie, c'est un indicateur très important sur l'état de santé de l'économie. Au cours du premier trimestre, il y avait des prévisions de 2,5%. On a atteint seulement 0,2%, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de crédits accordés à l'économie globalement. Donc, la composante principale, une des composantes principales de ces crédits à l'économie, c'est les crédits accordés à l'achat des logements. On s'attendait à une hausse de 3%, on n'a eu qu'une hausse de 0,8%. Mais il y a eu une hausse dans tous les cas. Donc, ces indicateurs montrent que jusqu'à premier trimestre, l'économie marocaine n'a pas été assez impactée par cette pandémie, même si son économie est très ouverte sur l'international, les effets sont restés très limités. Et sur le budget général de l'État, donc il n'y a pas eu d'effet. Au contraire, c'est des chiffres très positifs. Si nous revenons à un autre indicateur aussi très important, c'est la réserve internationale de devises marocaines. Donc cette réserve internationale, elle est à 280 milliards de dirhams. Il est à 280 milliards de dirhams. C'est un chiffre très important. C'est presque 6 mois d'importation qui est assuré par ce montant-là. Évidemment, il a été amélioré grâce à
au crédit que le Maroc, à l'emprunt que le Maroc il a eu de 3 milliards de dollars, ce qui a augmenté, même, mais même en dehors de ces 3 milliards de dollars, la réserve en devise marocaine, il était avant dans une très bonne situation et aujourd'hui, je pense qu'il est dans une situation très à l'aise. Évidemment, et, évidemment il faut la gérer aujourd'hui avec, avec prudence. Pourquoi? Parce que il y a un problème aujourd'hui des sources de devises au Maroc qui peuvent impacter beaucoup d'éléments chinois à l'intérieur. Donc, cette réserve en devises doit être gérée jusqu'à la fin de l'année avec prudence, surtout en termes des importations et qu'il faut les contrôler. Je sais que le ministère de l'Industrie il a déjà mis en place un dispositif de contrôle des importations à ce niveau-là. Donc, un autre indicateur aussi important qui mesure l'impact sur notre économie et qui est le plus récent à aujourd'hui, c'est la consommation de ciment au Maroc. Donc, nous avons les chiffres d'avril, on vient de les recevoir juste hier. Donc, la consommation de ciment a baissé de 56% le mois d'avril seulement. Donc, jusqu'à mois de mars, la baisse a été de 8%. C'est-à-dire que le premier trimestre, il a été rattrapé par la crise. Maintenant, cette crise il s'est installée vraiment dans le secteur de bâtiment. Le secteur de bâtiment, nous savons que c'est un grand secteur en matière d'investissement. C'est 55% d'investissement au Maroc. Donc, lorsqu'il est touché, c'est-à-dire que c'est les investissements qui sont touchés au Maroc, et je peux dire à travers ce chiffre-là que nous avons perdu presque 50% d'investissement globalement, pas seulement dans le secteur, parce que lui, il est lié à l'ensemble de l'économie. Donc, d'après mes estimations, ce secteur, il a perdu 11 milliards d'investissements liés à ce secteur-là, mais globalement, je pense que les investissements seront en baisse, même avant la sortie des chiffres, de 50% pour ce mois-là. Donc, voilà grosso modo la situation. Nous avons des chiffres de fin avril, nous avons des chiffres de fin mars, et tout cela montre que, donc, que les, comme j'ai dit, le premier trimestre a été bien sauvegardé. Je ne pense pas que ça va être la même chose pour le mois d'avril. Nous allons avoir des baisses importantes. Maintenant, pour les perspectives des mois qui vont venir, c'est-à-dire mai, le mois de mai et le mois de juin, tout ça dépend de la date à partir de laquelle nous allons déconfiner. Donc, si la décision de déconfinement elle est prise rapidement et on a ouvert l'activité, les activités partout, évidemment, le Maroc dépend pour certaines ouvertures de l'international, mais tout ce qui dépend du national, c'est entre les mains des décideurs. Ils peuvent décider à tout moment d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Comme j'ai dit maintenant, les chiffres concernant, les statistiques concernant le COVID-19 au Maroc ne sont pas alarmants, ils sont ouverts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a possibilité aujourd'hui de ne pas continuer dans ces manques à gagner en termes de chiffre d'affaires, de création de la richesse. Donc, nous avons tous les éléments pour lancer le déconfinement très, très rapidement. Et ça, je pense qu'il va à l'encontre des avis de beaucoup d'autres, donc surtout les gens de la santé qui travaillent et qui peuvent être inquiets, mais il y a un prix à payer, donc il y a un équilibrage, il y a un arbitrage à faire à ce niveau-là. Maintenant, que vont être les impacts par la suite sur notre économie? Donc, j'ai préparé un certain nombre de chiffres pour montrer tout d'abord la nature de notre économie. L'économie marocaine, elle est d'une certaine nature. Et cette nature fait qu'en général, les crises ne l'impactent pas sévèrement. Hein? De fait, de la nature de notre économie. Donc, nous avons une économie tout d'abord qui n'est pas, nous n'avons pas une grande économie. Notre économie, elle est un peu inférieure à la moyenne. Hein?
Donc, nous avons un PIB qui est autour de 120 milliards de dollars. Donc, c'est une économie inférieure à la moyenne. Nous avons des exportations autour de 400 milliards, des importations autour des exportations, pardon, des biens et services, pour être clair, des importations des biens et services autour de 5 milliards, de 500 milliards. Les transferts des Marocains à l'étranger, donc nous avons chaque année presque 65 milliards de recettes. Nous avons des recettes de voyage de 74 milliards, c'est-à-dire que nous dépendons presque de 130 milliards en devises qui nous viennent de tourisme et des Marocains qui travaillent à l'étranger. Donc, nous avons un ratio échange extérieur par rapport au PIB très élevé, autour de 85%. C'est-à-dire que nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Notre PIB dépend beaucoup de l'extérieur et ça peut donner lieu, évidemment, il y a beaucoup de risques à ce niveau-là. Hein? Mais comme j'ai dit, il y a des éléments qui vont être touchés au niveau de ces agrégats, comme les recettes de voyage, mais il y a d'autres éléments qui ne seront pas touchés. Mais tout ça dépend de la date de début de déconfinement à l'échelle nationale et internationale. Nos investissements ou l'investissement global dans notre économie, il est autour de 317 milliards de dirhams. Donc, c'est un chiffre qui est très modeste. Ce n'est pas un grand chiffre. Hein. L'État reste l'investisseur principal, donc à hauteur de 55%. C'est-à-dire que l'État, il agit sur l'économie considérablement. Et le privé n'investit que 25% hors ménage et hors investissement étranger. Donc, tout ça donne une particularité à l'économie marocaine. C'est-à-dire que si l'État continue à investir, il va continuer vraiment à dynamiser l'économie. Donc, la dynamisation future de l'économie dépend amplement de l'État et de la poursuite de ses engagements pris dans le cadre de la loi de finances de 2020. C'est-à-dire que s'il continue à investir selon ce qui a été prévu, donc nous allons au moins sauver cette année-là. L'année prochaine, 2021, évidemment, dépendra beaucoup des résultats de cette année-là. Je ne vais pas être pessimiste pour 2021, comme c'est le cas pour d'autres économistes. Pourquoi? Parce que le bilan des entreprises au cours en 2020 dépendra de leurs résultats. C'est-à-dire, si l'économie est relancée et s'ils arrivent à rattraper ces 2 mois de crise, ils peuvent avoir des bons bilans jusqu'à la fin de l'année. Et ça aussi dépend des plans de relance que l'État va mettre en place d'ici un mois pour aider les entreprises à sortir rapidement de leur crise. Donc, le tissu entrepreneurial marocain, il est. Les entreprises qui se trouvent dans le formel, ils sont de 260 000 entreprises. C'est-à-dire, cela veut dire que nous n'avons pas un grand secteur formel et un grand secteur entrepreneurial. Et ça, c'est une particularité de l'économie marocaine. Une bonne partie se trouve dans l'informel. L'informel peut être estimé de 50 à 55%. Les entreprises dépendent, une bonne partie dépend des services et une autre partie dépend de la commande publique. C'est-à-dire qu'une bonne partie ne va pas être touchée si la commande publique continue. Et nous savons que l'État s'est engagé à continuer ses dépenses jusqu'à la fin de l'année comme ils étaient prévus. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui dépendent de la commande publique ne vont pas être touchées considérablement. Évidemment, ces entreprises sont aussi derrière elles, il y a aussi d'autres entreprises liées par des services à ces entreprises ne vont pas aussi être touchées. Et je pense qu'une bonne partie d'entreprises ne sera pas touchée si les choses continuent selon ce scénario-là. C'est-à-dire si la commande de l'État continue comme il est prévu, ces entreprises vont assurer les niveaux
de performance qu'ils avaient, et les entreprises derrière, de deuxième rang, vont aussi rester donc sur le même niveau. La question de l'industrie. Donc, nous analysons notre industrie, qu'est-ce qu'il y a? Donc, nous avons le CEPET qui fait tout d'abord un grand chiffre d'affaires avec l'international. Je ne pense pas que son chiffre d'affaires va être touché négativement cette année-là. Parce que tout d'abord, ces produits sont liés à l'agriculture. Et l'agriculture va marcher cette année-là. On compte beaucoup sur l'agriculture. C'est-à-dire que l'OCP ne va pas être touché in fine. Et ça, c'est important. Le reste des industries, c'est des industries de transformation. Une bonne partie d'industrie marocaine, c'est tout ce qui est l'agroalimentaire et la transformation. Donc, tout ce qui est agroalimentaire ne va pas être touché. C'est au contraire, je pense qu'ils vont faire des bons chiffres d'affaires. Donc, le textile, il y a des petits risques, ce n'est pas des grands risques. Les autres branches, ça dépend de chaque branche. Est-ce qu'il est lié à l'international ou non? Donc, si son produit est domestique, je ne pense pas que les industries qui produisent pour le marché local vont être touchées. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, maintenant, comment la crise, comme j'ai dit, va passer d'une branche à l'autre, d'un acteur, d'un agent vers un autre? Aujourd'hui, nous avons un problème de demande qui va être touché, la demande nationale ou internationale. On va se trouver avec une baisse de la demande. Donc, et cette baisse de la demande va toucher directement ou indirectement toute branche et toute entreprise, quelle que soit, parce que les entreprises sont interliées dans l'économie, ce qui fait donc chaque secteur va toucher l'autre, etc., jusqu'à ce que l'ensemble de l'économie soit touché plus ou moins en fonction de sa nature. Comme j'ai dit, il y a des secteurs innovants. Le télécom, par exemple, je pense qu'il va réaliser donc un chiffre d'affaires positif. Donc, l'agroalimentaire aussi va réaliser un chiffre d'affaires positif. Le secteur pharmaceutique, il va réaliser un chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup de secteurs chez nous. Le secteur agricole aussi. Le secteur agricole va réaliser un chiffre d'affaires positif. Donc, il y a beaucoup de secteurs au Maroc, et ça, c'est la nature de l'économie marocaine, qui ne seront pas considérablement touchés. Donc, voilà comment. Rapidement et en résumé, comment la crise va se propager entre secteurs et les secteurs qui seront les moins touchés. Il y a évidemment d'autres secteurs liés, soit de tourisme, liés au tourisme directement, indirectement. Le secteur de BTP, donc, il va perdre la moitié de son activité. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres secteurs de services liés à ce secteur-là. L'ensemble de ces secteurs qui se trouvent malheureusement tous dans l'informel vont être touchés, à part les industries organisées, comme l'industrie par exemple du ciment, qui ne sera pas touchée, mais tout ce qui est informel lié à ce secteur-là, il va être touché considérablement, mais au cours d'une période bien déterminée. Parce que il faut savoir, il y a une explication à cette baisse de 55% du secteur de BTP. Il faut savoir que tout d'abord, l'État n'a pas arrêté ses chantiers publics. La majeure partie des chantiers publics continuent de marcher sans problème. Ce qui est arrêté, c'est la construction des logements et tout ce qui est travaux d'entretien et tout ce qui est construction de bâtiments privés. Voilà les arrêts il y a jusqu'à maintenant. Et ces arrêts, ils ont donné à cette baisse de 56%. Et il faut savoir que dans ce secteur-là, la décision a été d'arrêter les activités, mais des reprises, des confinements, tout le rattrapage peut se faire dans ce secteur-là. C'est-à-dire que à la fin de l'année, on peut se trouver avec un résultat positif dans le secteur de BTP. Il ne faut pas croire que ces 56%, on va la trouver jusqu'à la fin de l'année. Donc, tout dépend, comme j'ai dit. Si la décision de confinement est prise rapidement, nous pouvons faire des rattrapages. La même chose pour le marché immobilier. Il y a beaucoup de gens qui attendent une réponse à ce niveau-là. Je peux dire que
parce que le marché de l'immobilier au premier trimestre, il marchait bien, jusqu'au premier trimestre. Évidemment, les transactions sont aujourd'hui presque en arrêt, mais la décision d'achat des logements et des banques, ils sont reportés jusqu'à donc déconfinement. Et je pense que les gens vont commencer à acheter et vendre juste après. Et les gens qui ont décidé d'acheter cette année-là, ils vont acheter cette année-là, ce qui fait que le marché de l'immobilier ne va pas être touché en termes de transactions. Les chiffres que nous avons concernant la construction, donc au premier trimestre, il y avait une baisse en termes de construction. Cette baisse, on l'a constatée aussi au mois d'avril. Et je pense on va se trouver avec un rattrapage d'ici la fin de l'année. Donc, ça pour ce qui est de l'immobilier et donc tout ce qui est bâtiment et travaux publics. Donc, les autres secteurs, c'est cas par cas. Donc, on peut les discuter après s'il y a des questions pour un secteur bien déterminé. Maintenant, on peut parler des voies de sortie, c'est-à-dire comment donc nous allons sortir de cette crise-là. Hein? Donc, pour discuter ce sujet-là, j'ai préparé un benchmark à l'échelle internationale. Et ça, c'est important. Comment, avant de parler de cas marocain, comment les autres pays se préparent pour sortir sur le plan économique? Ce n'est pas en termes de déconfinement, des dates, etc. Ça ce n'est pas notre affaire. Donc, ça, c'est des décisions qui seront prises ailleurs. Maintenant, sous l'hypothèse qu'on a pris la décision de sortir de confinement, qu'est-ce que les États ils ont préparé pour les économies pour sortir de la crise? J'ai préparé donc cinq ou six donc comment les autres pays cinq ou six pays comment ils ont procédé. Donc je prends le Japon parce que le Japon pour moi c'est un bon modèle. Aujourd'hui il s'est montré vraiment en termes de chiffres tout d'abord de propagation. La propagation elle est très faible. Ils ont arrivé à maîtriser la propagation de virus. Ils ont les chiffres les plus bas. Donc, parmi les économies les plus fortes au monde, c'est la troisième économie. Mais lorsqu'on voit le classement en termes de propagation de la pandémie, ils se trouvent au 56e rang. Et ça, c'est bien pour un pays très développé. C'est-à-dire qu'il a arrivé à maîtriser la situation. Donc, ce pays-là, il a consacré 23% de son PIB aux aides à l'économie pour le relancer après la pandémie. Donc, il a préparé à aujourd'hui, et c'est le seul pays qui a fait ça, il a préparé trois plans de relance. Il a préparé un premier plan de relance de 137 milliards d'euros, ce qui représente 2,8% de son PIB. Le premier plan d'appui à l'économie, ils l'ont appelé comme ça, c'est le premier plan d'appui à l'économie. Donc, son argent, il a été épuisé du budget général de l'État, et ça, je le dis pour faire la distinction avec le cas marocain, qui reste, comme j'ai dit, très particulier. Donc, le Japon, il a injecté 137 milliards d'euros dans le cadre d'un plan d'appui économique aux ménages et aux entreprises. Les ménages, évidemment, touchés par donc le chômage, et les entreprises touchées par donc la pandémie, c'est-à-dire ils sont en situation en difficulté de trésorerie. Donc un deuxième plan de 17 milliards d'euros a été aussi lancé, c'est-à-dire 0,3% de leur PIB, et un troisième plan qui vient d'être lancé de 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars, ce qui représente 20% de leur PIB. Donc, au total, le Japon, il a mobilisé 23,2% de son PIB pour relancer son économie. Le troisième grand plan d'appui, qui est aussi épuisé de budget de 2020, donc il vise le soutien à l'emploi et la poursuite de l'activité. Donc, il a consacré 327 milliards. Une deuxième grande mesure concernant le renforcement de la résilience du tissu économique, donc pour un montant de 142 milliards. Une troisième mesure qui concerne la promotion de la consommation dans les secteurs les plus touchés
Donc, on lui a consacré 77 milliards. Une quatrième mesure qui concerne donc le renforcement du dispositif sanitaire, donc on lui a consacré 22 milliards de dollars. Et le cinquième axe de leur troisième plan de relance, c'est la préparation de l'avenir. Et ça, c'est magnifique. Donc, je n'ai pas trouvé cette idée partout dans le reste du monde. La préparation de l'avenir, ils ont consacré 13,6 milliards de dollars à la préparation de l'avenir. Ce sont des bonnes idées qui peuvent être aujourd'hui utilisées pour notre cas marocain. Donc, le modèle japonais reste le meilleur modèle dans le monde. D'après mon benchmark international, c'est le meilleur modèle. Il y a le modèle de la Corée du Sud. Nous savons que la Corée du Sud n'a pas confiné. Donc, il n'a pas fermé ses activités, malgré son proximité de la Chine, malgré les échanges très forts avec la Chine, malgré qu'il a été contaminé au début de la propagation de ce virus-là. Malgré tout ça, donc les activités n'ont pas, l'État n'a pas arrêté les activités, le transport a continué. Donc, évidemment, il a été rattrapé par quoi? Par le commerce international. La Corée du Sud a été principalement rattrapée par le commerce, les entreprises. Ces entreprises ont été touchées à travers donc la baisse des échanges avec le reste du monde. Évidemment, les entreprises qui travaillent en deuxième rang et troisième rang et quatrième rang avec les grandes multinationales de la Corée du Sud, ils étaient aussi rattrapés par cette crise-là. Et ce pays-là, il a consacré aujourd'hui 39 milliards de dollars, soit 2,4% de son PIB, pour soutenir les activités touchées. Et surtout, ils ont visé seulement les PME. Ils n'ont pas, donc ce plan-là ne touche pas les multinationales, parce que la Corée du Sud, il a plusieurs multinationales dont les chiffres d'affaires dépassent 100 milliards de dollars. Ils ont plus de 10 multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse 100 milliards de dollars. Donc, ces entreprises n'ont pas été concernées, ne seront pas concernées par ce plan de soutien. C'est seulement les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur exactement à 78 000 dollars. Donc, ils ont fixé exactement, donc c'est chez nous l'équivalent de les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur, disons, à 750 000 dirhams. 750 000 dirhams. Donc, nous avons au Maroc beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans cette tranche de chiffre d'affaires. Pour l'Allemagne, ils ont fixé un seul plan de soutien à l'économie de 550 milliards d'euros, ce qui représente 15% de leur PIB. C'est colossal. Vraiment, c'est important. C'est un programme gigantesque qui est consacré à l'aide des entreprises. C'est des prêts sans limite, c'est des prêts garantis par l'État. Il y a aussi beaucoup de soutien aux personnes en chômage provisoire. Il y a aussi des mesures fiscales qui ont été prises par l'Allemagne pour un peu soulager le report de paiement des impôts et tout ça, pour un peu soulager la trésorerie des entreprises. Donc voilà l'Allemagne, je le trouve aussi un plan très rationnel et qui passe en majorité à travers les entreprises. Et ça, c'est important, c'est intelligent parce que nous savons que le modèle allemand, le modèle économique allemand, c'est parmi les modèles les plus rationnels au monde. Maintenant, le troisième modèle que je veux vous présenter, c'est celui du Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni, ou la Grande-Bretagne, il a préparé aussi deux plans, un plan de 34,6 milliards d'euros. C'est un plan de soutien à l'économie, donc diverses actions pour soutenir les ménages et les entreprises, et un deuxième plan de 380 milliards d'euros qui représente 14% de leur PIB. Au total, ils ont consacré, pour faire face à cette pandémie, 15,3% de leur PIB. Sous forme de garantie auprès aux entreprises, sous forme de subventions aux petites entreprises, des subventions, je dis, ça c'est particulier par rapport à l'Allemagne, par rapport aux autres pays,
des programmes de prêts avec des garanties illimitées. Aussi, la Banque d'Angleterre, il a décidé de baisser le taux d'intérêt à 0,25%. Et ça, c'est important. Et c'est une particularité par rapport aux autres pays. Donc, la Banque centrale aussi, il s'est engagé à financer les banques pour qu'ils puissent financer correctement les entreprises. Il a aussi, il s'est engagé à aussi acheter les obligations de l'État pour qu'il puisse maintenir son effort de dépenses. Donc, ça, c'est le modèle de l'Angleterre. Pour le modèle espagnol, ils ont aussi adopté deux programmes consécutifs. Il y a un premier programme de 17 milliards d'euros qui représente 1,3% de leur PIB. Donc, c'était un programme pour faire face aux premiers effets de la pandémie, donc soutenir les ménages, soutenir les petites entreprises. Puis, un grand programme de 200 milliards d'euros, soit 15,2% du PIB. Donc, ce programme, c'est des prêts garantis par l'État qui vont être donnés surtout aux petites et moyennes entreprises. Il y a donc aussi une mesure qui a été prise par l'État espagnol, c'est le report des paiements des impôts pour les entreprises. Pour l'Italie, donc ils ont aussi adopté deux programmes, un premier programme de 25 milliards d'euros, ce qui représente 1,3% de PIB. C'est un programme de lutte contre les effets, les premiers effets de l'épidémie. Il y a un deuxième programme, mais qui a été adopté par le privé. Et ça, c'est une particularité de cas italien. Donc, c'est le privé qui a mis en place un fonds commun, donc c'est des assurances, des banques, etc., pour soutenir l'économie. Donc, on ne trouve nulle part cette idée-là pour les autres modèles qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, pour le Japon, il y a eu donc une particularité, c'est qu'ils ont pour la première fois puisé d'un fonds spécial qui s'appelle le fonds de réserve, qui est utilisé pour faire face aux grandes catastrophes. Ils l'ont utilisé cette fois-ci pour faire face à cette pandémie-là. Et ça, c'est une particularité aussi du Japon. Donc, pour la Chine, il a consacré 70 milliards seulement 70 milliards de dollars pour faire face à cette pandémie, soit 0,6% de son PIB. Pour les États-Unis d'Amérique, donc les États-Unis, il a consacré dans les 200 milliards de dollars, soit 9,7% de son PIB. C'est un grand plan de relance qui a été adopté par le gouvernement américain. Donc, la Banque centrale aussi, elle a pris un certain nombre de décisions en faveur des ménages pour relancer la consommation des ménages et des entreprises en donnant des crédits à taux zéro. Donc, les Américains sont toujours versés consommation. Donc, pour eux, l'économie ne peut être relancée que par la consommation et à travers des crédits à taux zéro. Et ça aussi, on peut nous inspirer. Il y a un fonds de garantie qui a été mis en place par le Trésor américain de 10 milliards de dollars pour garantir les crédits qui vont être donnés par les banques. Pour le Maroc, revenons après avoir cité l'ensemble de ces approches utilisées par les autres pays. Donc, le Maroc, il a, comme j'ai dit, mis en place un fonds spécial COVID-19 dans lequel il y a une manne de 35 milliards qui a été ce sont les ressources des donations des entreprises et donc ce sont les entreprises hein, in fine qui ont aidé qui ont été solidaires avec l'État pour cette pandémie-là et aussi les salariés ont touché donc 35 milliards de dirhams, ce qui représente 3,2% de son PIB. Donc, si nous regardons par rapport aux autres pays, nous ne sommes pas dans les fourchettes, les niveaux les plus bas, ils ne sont pas dans les niveaux les plus hauts. Si nous appliquons le ratio moyen des pays qui ont fait un grand effort, hein, donc il faut mettre un fonds de 165 milliards.
Donc, si nous appliquons les taux utilisés par exemple, le taux moyen utilisé par un certain nombre de pays, donc notre fonds doit être ramené à 165 milliards de dirhams pour soutenir l'économie, c'est-à-dire soutenir les entreprises en fragilité, en arrêt partiel, en difficulté, selon évidemment les situations, parce que l'État ne va pas commencer à distribuer l'argent comme ça, donc selon la situation de chaque entreprise, selon les charges fixes de chaque entreprise. Donc voilà la proposition que j'ai fait à la fin de cet exposé-là. Ce que je peux dire avant de terminer, c'est que tout d'abord, il y a de l'espoir. Et ça, c'est important. Pourquoi il y a de l'espoir? Parce que moi, lorsque je vois la Chine, lorsque je vois la Corée du Sud, lorsque je vois le cas du Japon et l'Allemagne, je dis qu'on peut sortir nous aussi. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui sont pessimistes et qui disent à chaque fois qu'il ne faut pas sortir de ce confinement. Et c'est pour moi, je ne suis pas de cet avis-là. Ces gens ne sont pas optimistes. Il faut sortir parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui sur le terrain. Ils sont en cohabitation avec le virus sur le terrain. C'est vrai que ils ont atteint des chiffres très très bas et moi j'ai dit que le Maroc aujourd'hui, ces chiffres se trouvent. Moi j'ai fait tout un grand modèle et dans ce modèle-là, j'ai trouvé que le Maroc se positionne dans la catégorie de Japon, de la Corée du Sud, c'est-à-dire que nous sommes dans les mêmes ratios. C'est-à-dire qu'on peut appliquer ce qu'ils ont appliqué comme démarche aujourd'hui pour sortir. Donc, il y a un secteur qui va être très touché. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'idées pour le faire sortir de sa situation difficile. C'est le tourisme, sur lequel le Maroc compte beaucoup. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'idées pour que ce secteur-là soit touché à hauteur de 40%. On ne dépasse pas 40%. C'est-à-dire qu'on va être à moins de 40%. Il y a possibilité que ce secteur marche bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux dire aussi qu'avec cette crise-là que nous avons vécue jusqu'à aujourd'hui, il y a des perspectives qui s'ouvrent pour l'entreprise et surtout pour l'entreprise marocaine. D'ailleurs, on l'a vu. Il y a des niches, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent et sur lesquelles il faut travailler. Donc, il n'y a pas seulement de mal, mais je pense qu'il y a pour notre industrie. Il y a des bonnes perspectives. Ça, d'ailleurs, cet événement qu'on a vécu, il nous a permis de voir très bien sur quoi notre industrie peut se reposer dans l'avenir et les améliorations à faire à ce niveau-là. Et ça, c'est important. Et comme j'ai dit, la question des niches qui s'ouvrent, surtout pour le domaine informatique. Il y a beaucoup des choses à faire à ce niveau-là pour dématérialiser, pour digitaliser l'administration et les services en général entre entreprises, le B2B ou le citoyen donc l'entreprise et l'administration. Nous savons que nous avons le Maroc, il a un retard important. Les investissements dans ce domaine, c'est-à-dire pour que le Maroc peut faire sa mise à niveau sont entre 40 et 50 milliards de dirhams. C'est un grand marché pour le Maroc. Et ce marché-là va évidemment donner des possibilités de croissance très importantes. Il y a aussi des perspectives dans l'agriculture parce que vous savez que le Maroc, il a oublié l'agriculture, quel que soit tout ce qu'on dit à aujourd'hui avec le plan Maroc vert qu'on a donc pratiqué depuis 2010. On n'a pas donné assez d'importance à l'agriculture. Cette crise-là nous a montré l'importance de ce secteur-là, sur lequel on peut compter beaucoup dans l'avenir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'investissements à faire dans le secteur agricole, surtout dans l'irrigation, la diversification des produits, les produits bio, les produits à haute valeur, donc le marché local, tout ça, l'eau, la question de l'eau, donc tout ça ouvre des perspectives d'investissement très importantes. Et l'industrie, donc moi je dis qu'il faut donc réfléchir à l'industrie de substitution comme les autres pays. Donc cette situation
à travers cette crise que nous sommes en train de vivre, on découvre que nous avons beaucoup de. On peut faire beaucoup de choses dans notre industrie. Les Marocains sont. Ils ont la capacité d'innover. Ils ont la capacité de faire la même chose que les autres, que ce que font les autres à l'étranger. En Corée du Sud, maintenant, les Français, qu'est-ce qu'ils disent de la Corée du Sud? Pourquoi ils ont eu cette capacité, surtout l'Allemagne et la Corée du Sud, cette capacité de résister? C'est parce qu'ils sont des pays très industrialisés. Vous savez que la France, maintenant, il s'oriente, son économie s'oriente de plus en plus vers les services qui commencent à dominer leur économie. Et c'est grâce à l'industrie que la Corée du Sud, il a résisté, parce qu'il a rapidement arrivé à produire tout son besoin en matière d'infrastructure sanitaire. La même chose en Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, le nombre, vous voyez, le nombre de tests que la Corée du Sud il a effectués ou l'Allemagne, seulement les pays les plus industrialisés, ils ont arrivé. Même la France n'a pas arrivé à atteindre le même niveau que l'Allemagne et la Corée du Sud. C'est parce qu'ils ont leur industrie, leur propre industrie qui a permis de produire ce qu'ils veulent. Ils ont adapté rapidement leur industrie. Donc, le Maroc, il a des capacités importantes qu'on a découvertes. Donc, il fallait continuer, surtout, comme j'ai dit, dans l'industrie de substitution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cédric Effna, pour cette remarquable présentation, pour votre esprit de synthèse aussi et pour votre positivisme, je dirais. Alors, si vous aviez comment dire? Avec toutes ces données, si aujourd'hui on devait apporter un certain soutien aux entrepreneurs, aux investisseurs marocains, quel serait le type de soutien qu'on pourrait... Alors nous sommes conscients, on n'est pas le Japon, on n'est pas au même niveau que la Corée, on n'est pas... Que pourrions-nous faire aujourd'hui? Quels conseils pourrions-nous apporter aux investisseurs, aux dirigeants aujourd'hui, pour justement prendre un nouveau départ et prévenir une autre crise de ce type? Ouais. Donc, merci. Je ne sais pas s'il faut assembler l'ensemble des questions, répondre à des questions par question. Comme vous voulez, moi c'est juste ma Donc, petite question avant de passer aux questions d'accord. des autres Donc, participants. tout d'abord, l'entreprise marocaine, il avait un problème avant cette pandémie. Il était en situation difficile. En général, l'entreprise marocaine a été en situation difficile pour différentes raisons. Parce que, donc, moi, j'étais dans 5 entreprises, j'ai vu comment le chef, donc, j'étais pas avant le chef d'entreprise, maintenant je suis mon chef d'entreprise, je voyais comment les choses se gèrent dans l'entreprise, mais sachant que l'entreprise marocaine vit un problème structurel de gestion, d'organisation. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. Nous avons le cadre juridique qui est l'entreprise, mais nous n'avons pas les ingrédients de l'entreprise. Vous savez ça. Et on voit ça comment? On voit ça à travers l'évolution de nos entreprises. Nos entreprises n'évoluent pas rapidement. Donc, le taux de croissance de nos entreprises reste faible sur le long terme. Lorsqu'on analyse les entreprises, on voit qu'ils sont toujours presque stagnants. Leurs effectifs, ils restent stagnants. Les entreprises ne se développent pas à travers l'innovation, la recherche, ils se développent à travers d'autres éléments, donc parfois les exploitations de main-d'œuvre, parfois donc en optimisant fiscalement, pour ne pas dire autre chose, donc sur d'autres éléments de rente. Donc ce qui fait, notre entreprise, il a un problème structurel qu'il faut le résoudre dans ce sens-là. Mais pour ce qui est de la crise,
aujourd'hui, évidemment, toutes les entreprises seront confrontées à des problèmes de trésorerie. Il faut les aider. Donc, en fonction des cas, moi, pour les petites entreprises, on peut leur donner des subventions. Pour les entreprises moyennes, ils peuvent avoir des crédits garantis par l'État. Donc, pour faire face à cette. Pour qu'ils puissent redémarrer seulement. Parce qu'il y a ici un problème pour que la machine redémarre. Donc, il y a des entreprises qui manquent de trésorerie aujourd'hui. Donc, pour qu'ils puissent redémarrer, et je pense c'est cas par cas, parce que comme nous savons, nous n'avons pas un esprit en général très citoyen à ce niveau-là. J'ai entendu pour un pays donné, un responsable qui a dit que l'État il a donné des subventions à des entreprises. Il y a une entreprise qui a rendu l'aide de l'État parce qu'il leur a dit que moi j'ai pas de problème. Pourquoi vous m'avez envoyé ce soutien-là alors que je suis en bonne santé? Donc ça, c'est rare de trouver ça chez nous. Hein? Donc nous avons un vrai problème de l'entreprise. Les gens doivent être outillés des techniques de gestion les plus sophistiquées de l'entreprise pour que notre entreprise et notre tissu entrepreneurial puissent se développer et que nous puissions avoir aussi des multinationales. Parce que lorsque nous regardons notre tissu économique, c'est un tissu domestique. On n'a pas des multinationales, à part deux, trois ou quatre qui sont déjà, dont les capitaux sont des capitaux étrangers. Le reste, c'est des entreprises qui n'arrivent pas à exporter ou qui exportent difficilement. La plus grande entreprise au Maroc, son chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 milliards de dollars. Donc, depuis longtemps que nous sommes dans ce chiffre-là. Donc, il y a un problème, moi, je dis, l'économie marocaine ne peut pas espérer se développer davantage s'il n'a pas des grandes entreprises à l'intérieur, parce que ce sont les entreprises qui déterminent la taille de l'économie. Et notre économie, elle est faible parce que nous avons un tissu entrepreneurial. On vient de voir que des chiffres que auprès de CNSS, nous avons seulement 3,7 salariés déclarés et nous avons seulement 250 000 entreprises qui ont déclaré leurs salariés. Et ça, pour moi, c'est faible pour une économie qui veut être émergente. Si bien d'avoir un nombre limité, mais il faut qu'il soit de grande taille. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un petit tissu économique, c'est un petit tissu entrepreneurial qui ne se développe pas rapidement. Moi, je suis d'une année à l'autre à travers l'Observatoire mis en place par Économie Entreprise sur les 500 premières entreprises. J'essaye de voir d'une année à l'autre, on a observé ça depuis 2004. On voit que les entreprises ne se développent pas rapidement en Europe et c'est problématique. Merci beaucoup, Cédric. Alors, si vous le permettez, on passe aux questions des participants. Et la première question, je la prends de Facebook. Elle vient de Monsieur El Medani El Maati. Alors, il voudrait poser trois points. Comment Oui. dorénavant pourrons-nous faire face à ce genre de catastrophe? Place de la gestion des risques dans nos modes de management. Nos capacités à nous adapter par rapport à ce genre de catastrophe, plan de continuité des activités. Je ne sais pas si la question ou les points Oui, qu'il a oui, soulevés sont très bien. oui. Oui, je connais Siematé, c'est un ami. Mathé. Oui, je le connais très bien. Il est dans l'urbanisme d'ailleurs et sa gestion des risques l'intéresse beaucoup. C'est vrai qu'il y a un problème, mais ce type de cas qu'on a confronté pour la première fois, donc l'humanité n'a jamais cru qu'il va donc s'attendre à de tels événements et il n'a pas été très préparé pour confronter un virus qui apporte de tels mal. Donc maintenant, le cas, comme j'ai dit, de la Chine qui est arrivée à surmonter les difficultés, il est aujourd'hui en marche. Il y a des pays qui sont en marche, mais il y a des pays qui trouvent des difficultés, mais qui vont sortir, je sais, d'ici peu de temps, ils vont sortir. Tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'abord,
tous les pays sont aujourd'hui préparés pour confronter le virus, même dans le temps. Le Maroc, il a aujourd'hui un dispositif sanitaire très important. La France, la même chose. Aux États-Unis, ils ont le plus grand dispositif sanitaire, ils l'ont mis en place. Les autres pays, la même chose. La Chine, il a développé des machines très sophistiquées pour identifier le virus à des laps de temps les plus réduits dans le monde. Et tout ça, c'est à cause de ce virus-là. Donc, le virus, il a poussé l'homme jusqu'à ses grandes limites. Et je pense que l'innovation dans ce domaine-là va se poursuivre. Je ne pense pas que l'homme va rester les bras croisés. L'innovation va continuer. D'ailleurs, en Chine, on a vu les innovations au niveau informatique, digital, de robotisation. Maintenant, ils ont des infirmiers, des robots infirmiers. Donc, l'homme ne touche pas quelqu'un qui est déjà infecté. C'est un robot qui lui est dans tout. Et ça, c'est. Moi, j'ai vu ce documentaire. C'est vraiment très extraordinaire. On voit les policiers dans les aéroports, sur les routes, etc., qui contrôlent à travers des dispositifs totalement sophistiqués. Donc, ils n'ont pas besoin de vous demander des choses, c'est-à-dire vient à côté de vous pour vous contrôler la chaleur. C'est de loin qu'il vous contrôle la chaleur sans que vous soyez au courant qu'il est en train de vous contrôler. Donc tout ça, pour moi, c'est des choses qu'on a eues à cause de ce virus-là. Et je sais que dans les mois à venir et les années à venir, l'homme va se préparer mieux. Et je ne pense pas qu'il va être aussi fragile comme ce cas-là, comme il a été cette fois-ci fragile. Il s'est montré fragile. La prochaine fois, il va se montrer très fort. Et je sais que des chercheurs, des savants sont en train, des laboratoires sont en train de chercher des médicaments très efficaces et ne seront plus comme aujourd'hui. On va passer ce stade-là et nous serons plus forts prochainement. Inch'Allah, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et nous serons plus solidaires plus que jamais. Et Je n'en plus ai pas le solidaire. moindre doute. Je n'en ai pas le moindre doute, Inch'Allah. Alors, j'ai une question sur Zoom de Monsieur Rachid Dardar. Alors, suite à cette crise sanitaire, plusieurs sociétés se trouvent dans une situation catastrophique qui peut engendrer de scénario fusion ou acquisition. Alors, la question n'est pas claire. Quel défait pour notre économie nationale? Donc, c'est une bonne question. Donc, ces questions de fusion-acquisition, donc la taille, comme j'ai dit, de nos entreprises n'est pas. Nous sommes pas dans. Nous n'avons pas une économie donc basée sur des grandes entreprises. Nous avons des entreprises de taille moyenne. Donc, cette question de fusion-acquisition, on peut la trouver, mais ça va être très rare au Maroc. Mais au contraire, à l'international, surtout aux États-Unis, qui a été bien très frappé par cette crise au Royaume-Uni et en France, je pense, en Italie, on va trouver ces cas-là de fusion-acquisition, on va trouver beaucoup de cas de ce genre-là, mais pas pour le Maroc, ça va être un phénomène très rare. Et on peut trouver des banques, justement, des scissions d'entreprise, on va trouver beaucoup de scissions d'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui vont, surtout les gens qui étaient déjà à la limite de leur âge. Et donc, ce phénomène-là va leur donner envie, ça y est, de terminer, de fermer et de donner les clés à d'autres. Ça, c'est très probable de voir ce phénomène-là de cession d'entreprise. Malheureusement, nous n'avons pas un marché organisé comme à l'international. Ils ont un marché organisé de cession d'entreprise. Nous, n'avons pas ça. Donc, et nous n'avons pas beaucoup de statistiques sur ce phénomène au Maroc, parce que d'ailleurs ce secteur-là n'est pas bien suivi statistiquement. Pour les défis, moi j'ai dit que maintenant le défi principal, parce qu'il faut être pragmatique. Nous, moi je ne suis pas un théoricien, je suis pratique. Donc pour les défis, ce sont les défis des prochains jours, c'est-à-dire de relancer l'économie, de déconfiner, parce que les gens. Moi, beaucoup d'entrepreneurs me contactent par téléphone pour me dire quand est-ce que tu crois qu'ils vont nous donner
la date de relance. C'est comme un match qui va se terminer. Ils veulent sortir, nos entrepreneurs veulent sortir pour travailler. Et ça, c'est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui confinés, ils veulent retourner. Surtout, vous savez, les gens, les drogués, les petits commerçants qui veulent ouvrir leur boutique rapidement pour commencer à vendre. Tout le monde qui vend. Vous savez, il y a un phénomène extraordinaire. Les gens attendent patiemment à ce que l'État leur dise, donc ça y est, on a levé l'état d'urgence, vous pouvez. Ce n'est pas l'état d'urgence parce que l'état d'urgence, ça va se lever après. Mais pour le déconfinement, je pense qu'il faut donner déjà le coup d'envoi aux gens, aux petits commerces d'abord. Parce que le petit commerce, je pense qu'il peut s'adapter à la situation. Donc, il faut leur donner la possibilité de déjà d'ouvrir les entreprises individuelles. Hein. Ils peuvent commencer à ouvrir les mécaniciens, etc., les tailleurs et tout ça, les artisans peuvent commencer à déjà à travailler si les décideurs m'écoutent. Donc, il ne faut pas déjà supporter le manque à gagner de ces gens-là, de cette catégorie-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui supporte ce manque à gagner. Tout ce qui est informel, etc., qui sont supportés aujourd'hui dans le cadre des 800 dirhams et des 1000 et 1200 dirhams, ils peuvent déjà être autosupportés. Si l'État leur donne la possibilité, les coiffeurs, pourquoi on les garde toujours les bras qu'ils commencent à travailler. Tous ces gens-là peuvent commencer à travailler, ils vont donner et créer de la richesse déjà. Pour les entreprises, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent, les grandes entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent. Donc, ce que je leur conseille, c'est de renforcer le dispositif sanitaire. Et d'ailleurs, je dis ça, un grand message pour l'État, si nous voulons que le tourisme revient rapidement, il faut que les hôtels se préparent. Il faut que l'ensemble de la valeur, hein, la chaîne de valeur de ce secteur-là se prépare sur le plan sanitaire parce que les touristes ne vont venir au Maroc que s'ils voient que vraiment nous avons des bons hôpitaux, que nous avons un dispositif sanitaire très bien, que les hôtels sont bien outillés, les restaurants sont bien outillés. S'ils ne nous donnent pas cette image-là, les touristes ne vont pas revenir, ils vont être très inquiets. Donc, il faut qu'il y ait des documentaires, des films, des petits films qui montrent que, d'ailleurs, j'ai vu ça aux États-Unis, ils ont fait des petits documentaires qui montrent comment les restaurants sont déjà préparés pour que les gens reviennent. Comment les gens sont déjà préparés. Donc, il faut faire de la communication. Il y a de la com à faire ici si nous voulons que la situation se normalise. Il faut beaucoup de com. Et si le Maroc fait beaucoup de com, on ne va pas se relancer rapidement. Effectivement. Justement, ceci me ramène à la question de Nzahafte qui vient d'être posée. Avant de prendre les questions sur Facebook, je prendrai quand même sa remarque et sa question. Elle dit « Un entrepreneur doit travailler sur lui pour se muscler. » Et le Covid-19 a surtout révélé les difficultés des entreprises déjà fragiles, le travail à faire sur les personnes, être entrepreneur, que pensez-vous? Alors, Covid-19 a surtout révélé les difficultés des entreprises déjà fragiles, le travail à faire sur les personnes, être entrepreneur, qu'en pensez-vous? Je pense que la question est en liaison avec le développement de l'esprit entrepreneurial. Oui. Moi, j'ai dit ça, je le redis. Donc, nos entreprises sont effectivement fragiles. Avant même l'arrivée de Covid-19, il les a trouvées fragiles. Hein? Il les a trouvées fragiles, il les a fragilisées davantage. L'esprit d'entrepreneur, c'est un esprit. Donc, il y a des gens qui sont nés entrepreneurs et ils ont ce savoir, cette qualité-là d'être entrepreneur parce que. Parfois, on l'apprend sur le terrain, parfois, on l'apprend dans les grandes écoles. Et donc, chacun, comment il a appris à être entrepreneur. Mais je peux dire qu'il y a aujourd'hui des savoirs très pointus dans ce domaine-là pour que nos entreprises puissent se développer davantage. Nous savons, sur le plan international, surtout les multinationales qui ont dépassé les limites de les frontières de leur pays, ils se sont basés sur le savoir, les techniques pour se développer et pour avoir cette taille-là qu'ils ont, McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, Boeing, etc.
Donc, en plus de leur business model qui est particulier, mais ils abondent des éléments d'autres éléments qui font que ces entreprises arrivent à se développer très rapidement. Il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. Et je pense qu'on a besoin, pour donner un grand message, d'un ministère de l'entreprise, d'un ministère de l'entreprise, du développement de l'entreprise au Maroc. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est de bricolage. Donc, il faut avoir une bonne et de forme, donc un ministère d'entreprise et d'investissement. C'est deux choses. Nous avons les CRI, nous avons réformé, ils n'ont pas donné, ils ne vont pas donner, hein, pour plusieurs raisons. Donc, il faut réfléchir à ça dans le cadre, je pense, de nouveaux modèles ou séparément, rapidement donner lieu. Et d'ailleurs, j'ai fait la remarque hier sur ma page Facebook, c'est que aujourd'hui, la gestion de la crise dans le cadre du gouvernement, le gouvernement, c'est une entreprise aussi, hein? C'est une entreprise donc, qui est gérée par un chef de gouvernement. Il y a des membres de gouvernement. On voit que ce n'est pas l'ensemble des membres de gouvernement qui travaillent. Il y a presque pour moi moins de la moitié qui travaille. C'est comme une entreprise, dans la moitié des effectifs qui travaillent. C'est-à-dire que nous pouvons limiter notre entreprise pour qu'il soit optimal à ce nombre-là. Pourquoi perdre le temps et dire que nous avons un gouvernement de 23 personnes alors que le gouvernement travaille seulement avec 10 personnes? Effectivement et réellement. Les autres membres du gouvernement, c'est leur ministère, c'est leur administration qui travaille. Donc, il faut une optimisation globale de l'esprit de l'entreprise et une promotion aussi globale de l'esprit d'entrepreneuriat au Maroc. Chose que nous n'avons pas beaucoup. Merci beaucoup et ça pourrait donner des idées pour développer tout ça. Alors, je vais passer un petit appel à Monsieur Karim, économiste, qui avait posté tout à l'heure une petite question que je n'arrive plus à retrouver d'ailleurs. S'il lui est possible de reposter sa question, ça serait magnifique. Il avait une question à propos des financements innovants. Alors, Monsieur Karim, économiste depuis Facebook, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, je vous invite à me réécrire votre question, s'il vous plaît. Alors, et je prendrai par la même occasion une autre question, une question de Mouad Aymar depuis Facebook. Est-ce qu'il est judicieux, vu les circonstances de la pandémie, de revoir la structure des accords de libre-échange où le pays se trouve déficitaire avec tous les partenaires en question? Ouais, ça c'est une question récurrente Oui. qu'on écoute. Ouais. Évidemment, le Maroc il a signé des accords de libre-échange avec un certain nombre de pays, comme les États-Unis, qui est une économie très forte, la première économie. Donc c'est une opportunité pour le Maroc parce qu'il a arrivé. Normalement, les pays, lorsqu'ils signent des accords, ils les signent entre des économies de même niveau. Mais les États-Unis, ils ont accepté de signer un accord avec le Maroc. Donc, pour le Maroc, c'est une opportunité. Donc, évidemment, si on revient à l'accord et on le lit bien, donc il y a des choses qui portent sur les échanges, il y a aussi des choses qui portent sur l'investissement. Donc, est-ce que nous avons, nous, le Maroc, au Maroc, est-ce qu'on a travaillé pour tout d'abord appliquer le contenu et mettre en œuvre le contenu de cet accord-là. Je pense que c'est nous, le défaut vient de nous. On n'a pas bénéficié de cet accord-là. Hein? On n'a pas bénéficié. Il y a beaucoup d'opportunités dans le marché américain que nous n'avons pas pu exploiter. La même chose pour les autres accords. Moi, j'ai dit qu'il faut les exploiter au maximum. Donc, les accords aujourd'hui sont signés. Il n'y a pas un problème dans ces accords. Il faut seulement que nos entreprises, parce que l'État, lorsqu'il a signé ces accords, c'est au profit de ces entreprises. Donc, il faut que les entreprises soient réactives. Ce sont des opportunités qui sont ouvertes pour le Maroc. Donc, il y a le volet investissement dans ces accords qui n'est pas bien activé. Donc, nous pouvons, parce que le plus grand émetteur, faut savoir ça. Le plus grand émetteur des capitaux à l'étranger, c'est les États-Unis. Et nous avons signé depuis 2004 avec les États-Unis un accord de libre-échange, mais on n'a pas profité des émissions de capitaux de ce pays-là
Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas préparés sur plusieurs plans. Lorsqu'un investisseur américain arrive au Maroc pour ramener des investissements, où il va les mettre? Est-ce que vous avez des grandes entreprises dans lesquelles il peut tout d'abord prendre part? Ça, c'est problème numéro un. Si on rentre dans l'environnement d'investissement, les grands investissements demandent des grandes zones industrielles. Est-ce que nous avons des grandes zones industrielles libres? Donc, c'est de cas par cas. C'est vrai. Donc, parce que l'État, il a le cas de Renault et le cas de Peugeot, c'est des cas spéciaux. Mais un investisseur qui vient comme ça au Maroc et rentre en toute transparence pour lancer un grand investissement, je ne pense pas que ça va être facile pour lui. C'est un exercice parmi les exercices les plus difficiles que quelqu'un peut résoudre au Maroc. Je n'arrive pas à écouter. Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Pardon. Alors, c'est bon. Là, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je viens de recevoir la question de Karim, économiste. Est-ce que le financement innovant peut constituer une alternative de financement pour les TPME qui sont les plus touchés par les effets de la pandémie? Merci. Ouais. Donc, évidemment, on a vu d'ailleurs... J'ai donné le benchmark international. On a vu les plans et les techniques utilisées par la majorité des pays les plus développés, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud. On a vu comment, donc, par quels moyens ils veulent relancer leurs entreprises et leurs économies. Les idées sont très claires, très simples. Donc, il y a des crédits garantis par l'État. Il y a des ciblages de secteurs. Il y a des ciblages aussi des entreprises concernées. Il y a parfois des subventions. Il y a des incitations fiscales qui sont données. Donc voilà ce que propose donc les pays développés. Maintenant, en termes d'innovation, donc nous avons tout ce qui est finance aujourd'hui alternative, tout ce qui est finance islamique. Qui peut aussi apporter sa contribution. On peut réfléchir, par exemple, à des fonds qui peuvent être créés par le cas de l'Italie, par des groupements de banques, d'assurances et d'entreprises, donc pour soutenir aussi les entreprises. Voilà les modèles sur lesquels, je pense, les autres pays ont réfléchi. Merci beaucoup. Alors, une autre question de la part de M. Saïd Rey depuis Facebook. Bonjour. Croyez-vous que le déconfinement se fera sur des étapes? Quels secteurs doivent débuter? Et est-ce que la période de 100 jours proposée par le CVE est-elle plausible? Les 100 jours proposés par le CVE. L'OCDE. Le CVE, le CVE. Les 100 jours proposés par le CVE. Alors, moi, personnellement, je vais faire une petite recherche pour voir. Comité de ce... De... Comité de... les comités de sauvegarde économique. De veille... Le comité de veille économique. Voilà, exactement. Allô? Cédric, je crois que... Alors... Cédric FNH, je crois que vous avez perdu la connexion. Voilà, et de retour. Oui, la question, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite. Alors, croyez-vous que le déconfinement sera fait sur des étapes? Et quels secteurs doivent débuter? Et est-ce que la période de 100 jours proposée par le comité de veille économique est-elle plausible? Oui. 100 jours de confinement. 100 jours de... Alors, 100 jours de déconfinement. De déconfinement. Donc, pour les étapes, je pense qu'il faut, comme j'ai dit, faire comme les pays, ils ont fait les autres pays. Donc,
J'allais commencer par les activités qui ne font pas appel à des masses de population, c'est-à-dire là où on va se trouver avec des groupements de gens qui risquent de créer des contaminations. Il faut les éviter. Donc, comme j'ai dit, les petits commerces, les petites activités, il faut les lancer rapidement pour ne pas donc alourdir leurs charges. Ça, c'est possible. Aussi, les entreprises qui travaillent d'une manière éloignée, donc c'est-à-dire qui sont dans des locaux de manière séparée. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas très regroupées dans leurs locaux, etc. Ils peuvent commencer à travailler. Il faut lancer le transport parce que le transport, il est vital pour l'économie. Donc, il faut le lancer, comme dans la Corée du Sud. Donc, il a lancé le transport partout. L'ensemble du transport n'est pas bloqué. Donc, la même chose ici. Donc, les taxis, tout ce qui est transport, il faut le lancer, mais tout en respectant à l'intérieur un certain nombre de règles sanitaires. Ça, c'est important. Moi, je le dis, je le redis. Si nous voulons que l'économie se relance, c'est question de, il faut investir dans les dispositifs sanitaires parce que c'est un bon signe à envoyer, même sur le plan international. Maintenant, partout, il faut des dispositifs de contrôle, partout, pour que nous montrons que nous sommes vraiment bien préparés, nous avons préparé notre déconfinement. Pour les secteurs, c'est bon, donc on a parlé des secteurs. La question des 100 jours, moi je dis, ce n'est pas question de 100 jours. C'est question, est-ce que les critères sont réunis pour déconfiner? Maintenant, moi j'ai dit, je calcule chaque jour le R0 de Maroc. Donc la courbe, il est depuis maintenant 3 ou 4 jours, il est inférieur à 1. Donc nous pouvons, et aussi la courbe des cas critiques. Donc aussi, il est en régression. Donc tout ça fait que les conditions sont réunies. En plus, comme j'ai dit, la densité des cas touchés dans la population reste faible par rapport à plusieurs autres pays. Comme j'ai dit, la liste des 56 pays les plus touchés par la pandémie. Donc, pour le cas du Maroc, il se trouve dans la catégorie des pays qui peuvent déconfiner depuis demain, hein, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Cédric. Alors, j'ai une intervention de la part de M. Abdelhak Gourem. Il dit, je pense tout simplement que cette pandémie permettra à qui voudra une bonne remise à zéro. C'est surtout booster et convertir cette situation en énergie. Un business model adéquat, raisonnable et surtout réaliste et basé sur de bonnes résolutions s'impose. Qu'en pensez-vous? Effectivement, pour moi, cette pandémie, ça va donner une très bonne occasion pour redynamiser notre économie et aussi nos entreprises. Même les entreprises qui avaient de mal avant, ils peuvent se relancer. La question de révision de business model, ça, c'est une affaire de chaque entreprise. Chaque entreprise, évidemment, à la fin de chaque année, doit se réunir pour voir est-ce que le business model, est-ce qu'il est bien optimisé, en regardant ces différentes variables et composantes stratégiques. Donc, lorsque vous vous trouvez avec une entreprise dont le chiffre d'affaires n'augmente pas rapidement, c'est-à-dire qu'il faut revoir, c'est un indicateur que le business model ne marche pas bien. Votre business model, à côté de vous, il y a des entreprises qui marchent. Votre entreprise ne donne pas des bons résultats, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans le business model. Donc, évidemment, il faut voir avant d'aller au business model, la question d'organisation, est-ce que l'organisation est bonne, est-ce que le rendement des effectifs sont bien. Si tout marche bien, donc il faut aller au business model qui est le cœur de l'entreprise, il faut le revoir, il faut revoir pourquoi donc il ne crée pas assez de valeur. Donc c'est à partir de là que nous décidons est-ce qu'il faut revoir ou non. Donc c'est la dernière chose, le dernier bouton qu'on touche donc avant de fermer les portes. C'est bon. Merci monsieur. Je suis en train de lire une question. Oui. Alors, il y a encore une abréviation.
Une question de la part de Monsieur Bouhlaoui Hajj Marrakchi Mohamed pour les SDL que Monsieur Benhima prépare depuis sa nomination pour cette mission. Est-ce que la pandémie n'a pas chamboulé ses idées? Alors ça, c'est, je crois, un avis. Puisque les centrales de production d'électricité ainsi que toutes les composantes du réseau de transport et distribution d'électricité ont en permanence été dans les premiers rangs pour combattre Corona afin d'alimenter les hôpitaux et toutes les administrations concernées. Je crois que cette question est destinée à Monsieur Benhima et non pas à Monsieur. Monsieur Driss Finna, Oui. toutefois. Toutefois, si vous avez un avis apolitique là-dessus, vous pouvez commenter. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions que je n'ai pas réussi à transmettre à Monsieur Dressefina. Allô, Sila, là, oui. Oui. Je pense que je vous ai transmis toutes les questions, Toutes je les pense, questions, hein. je crois avoir fait le tour de toutes les autres questions. Moi, je vais poser une question quand même à Cédric, si c'est Bien possible. sûr, allez-y avec plaisir. Cédric, merci d'abord pour cet exposé. C'est vraiment très riche et très bénéfique pour nous, les entrepreneurs, dans cette période, dans les circonstances actuelles. Voilà, je voulais juste savoir, demain ou après-demain, il y aura certainement le déconfinement dans 100 jours, dans, je sais pas, personne ne le sait, mais à votre avis, par quoi on va commencer rapidement pour relancer l'activité, pour relancer l'économie marocaine, et c'est quoi le rôle, peut-être un rôle exceptionnel ou bien des actions amenées par l'État, par le secteur public, peut-être, pour vraiment relancer l'activité d'une manière le plus rapidement possible. Merci. Allô? Oui, Oui, on Cédric. vous attend. Donc, bon, moi, à chaque fois, je dis, il ne faut pas donc donner. Donc, lorsqu'on a décidé de confinement, c'était le jour J. On a décidé de confiner et d'arrêter les activités. La même chose. Il faut un jour donné dire que on va relancer. On va relancer, évidemment. Comme j'ai dit, si nous sommes le premier pays touché, c'est vrai qu'il faut faire ça progressivement. Maintenant, nous ne sommes pas le premier pays touché ou le premier pays qui va déconfiner. Et par la suite, nous avons des exemples devant nous, comment ces gens aujourd'hui, comment ils sentent les risques, parce que les gens craignent des risques. Les risques, on les voit devant nous, parce que la Chine, on voit comment il a abordé la situation, la Corée du Sud et le Japon. Nous avons, donc nous savons quels risques ils ont confrontés. Donc, par conséquent, donc, il faut lancer les activités rapidement. Moi, je dis, si j'ai la décision, si c'est moi qui dois prendre la décision, je dois déconfiner, pas progressivement, mais d'une manière totale. Mais il faut que l'État s'assure que le dispositif sanitaire ou les dispositifs sanitaires existent partout. Il faut que ces éléments soient donc tout d'abord assurés partout. Et c'est ça le débat en France, parce que les gens, lorsque le gouvernement en France a décidé de déconfiner le 11 mai, donc il y a des opposants qui ont dit, est-ce que le dispositif sanitaire est prêt? Donc c'est la même chose au Maroc. Donc si on décide demain de déconfiner totalement, et je ne dis pas progressivement, totalement, on est souverain de prendre cette décision. Il n'y a aucun autre pays qui va nous dire pourquoi vous avez déconfiné totalement. Donc, il faut seulement être intelligent, parce que ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chiffres à contrôler. Donc, nous avons aujourd'hui,
Nous avons mis en place, il y a tout un service, des services sanitaires partout dans le monde, partout au Maroc. Même dans le rural, il y a des bons services sanitaires qui existent et qui travaillent et qui remontent l'information. Donc, on doit se fixer, par exemple, un seuil que nous ne devons pas dépasser. On va dire que si toujours nous sommes dans de tels seuils, le déconfinement va rester total. Dès qu'on remarque qu'il y a un retour, et on ne souhaite pas avoir ce retour, on va dire qu'il faut revoir le déconfinement à la baisse, à des niveaux plus bas. Mais pour moi, il faut rendre la vie normale très rapidement, parce que nous allons gagner, parce que nous allons avoir moins de dégâts. Parce que ici, vous savez que chaque pays il est en train de défendre ses intérêts. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui va vous dire, voilà, on peut vous donner des aides. C'est le Maroc qui va aider le Maroc. Donc, si nous voulons aider ce pays-là, donc rapidement, il faut déconfiner pour minimiser les dégâts. Nous sommes dans la situation aujourd'hui, d'après les chiffres, il est maîtrisable. Il y a quelques cas qu'on voit ici et là, mais pourquoi on a ces cas-là? Parce qu'il n'y a pas assez de dispositifs sanitaires dans les endroits où il y a parution de ces cas-là. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je suis pour cet avis-là. Donc, la question de la progressivité, moi, je m'interroge pourquoi, si nous avons déjà des cas à l'international qui ont donc vécu la progressivité et sont dans maintenant le déconfinement total. Voilà, merci. Merci Cédric, mais en tous les cas, ce serait la peur des résultats du déconfinement. Alors, c'est vrai, il est vrai que nous disposons de tous les moyens pour protéger la population contre un renversement de la situation, mais il y aura toujours une peur, une crainte, parce que la certitude n'est plus. Il n'y a pas de certitude, parce que même d'après les dernières études faites, c'est que le virus est en mutation. Donc, on ne sait pas comment il réagit. Donc, il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas de vaccin. Et donc, on ne connaît pas, en fait, on ne connaît pas le fonctionnement. Et c'est ce qui génère la peur. Oui. Mais en tous les cas, on espère pouvoir sortir de chez nous assez rapidement. Donc, Bon, moi pa, pardon, je complète ma réponse. Justement, cette question, parce que effectivement, au début, le virus était énigmatique. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'est plus énigmatique. Et c'est ça ce que j'ai voulu dire. Il n'est plus énigmatique. Avec tout ce que nous avons comme information sur son comportement statistique, tout ce que nous avons aujourd'hui pour les pays qui ont déconfiné, etc., comment il agit au niveau de ces pays-là. Donc pourquoi avoir cette crainte? Parce que cette crainte, nous savons que notre administration, et ça je le dis donc ici dans cette conférence-là, notre administration, il est basé sur la peur. Et si on laisse la décision entre les mains de l'administration, il va toujours avoir de la peur, il va garder la situation comme elle est. Et il ne fait pas assez de calculs économiques. Ceux qui font le calcul économique, ce sont les économistes, ce sont les entrepreneurs. Donc, si vous laissez la décision libre entre les mains de l'administration, il va vous dire toujours, il faut qu'on confine, il faut rester dans le confinement parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas assez d'informations. Et la majorité des gens qui sont dans l'administration ne sont pas ouverts sur l'international. Ils n'ont pas assez d'informations sur le, n'ont pas de benchmark à l'international. C'est pour cela qu'ils ont peur. C'est normal, ils ont peur. Ils ont peur parce que ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe au Japon, à la Corée du Sud, en Chine et donc en Allemagne, etc. Donc, pour moi, tout d'abord, les gens doivent être bien informés. Je sais que le comité de veille, Économique. Économique, il y a des gens qui sont bien informés, bien, mais ils travaillent avec un esprit, avec l'esprit d'administration, et c'est malheureux. Et c'est ça le malheur. Et d'ailleurs, dans le débat aujourd'hui, le grand débat que nous avons au Parlement, des partis politiques, ne discutent pas ces décisions publiques. Rares les gens qui discutent les politiques et l'opportunité des décisions publiques. Alors qu'à l'étranger, il y a beaucoup de débats on discute beaucoup, on s'interroge sur le bien fondé des décisions publiques, chose que nous n'avons pas ici au Maroc.
Merci. Merci à vous. Alors, j'ai deux petites questions de la part de Monsieur Saïd Ragaï, depuis Facebook. Alors, comment pensez-vous que notre pays se retrouvera après la pandémie? Ça, c'est la première question. Et la seconde dit, alors, la période de 100 jours à partir du 1er mai est une proposition du comité de veille économique. Elle est en étude, elle est toujours en étude. Et à l'opposé, le ministère de l'Intérieur pense que le transport interurbain sera le dernier à être instauré. Qu'en pensez-vous? Ouais. Donc voilà, toujours, nous sommes Toujours. dans le même esprit. Donc le ministère de l'Intérieur va gérer toujours avec l'esprit de grand risque, le risque zéro, Zéro. alors que ce n'est pas bon. Le risque zéro, c'est comme les entreprises qui veulent travailler avec le risque zéro, ils ne vont jamais avoir des grands chiffres d'affaires, donc ils vont rester stagnants. Donc pour les 100 jours, j'ai déjà donné mon avis. Comment après la pandémie, comment le pays va se Alors, comment le je pays reprends la sera? question. Alors, comment notre pays se retrouvera après la pandémie? Donc le En pays pleine forme. va donc il va y avoir donc plus de dispositifs sanitaires partout. Moi, je pense à l'entrée de toutes les administrations partout, dans les transports publics partout. On va avoir jusqu'à ce que le bon remède se trouve pour ce virus-là. Donc on va vivre donc avec cette situation-là momentanément. Je pense que la chaleur va impacter la situation parce que comme on le constate dans les pays africains où il y a la chaleur est très forte. Donc le virus se propage beaucoup moins que dans les pays du Nord. Et ça, c'est un constat très logique, très qu'on le voit à travers les chiffres. Donc la situation ne va donc dès que le mois de juin va rentrer et même d'ici la fin de mai lorsque la chaleur va s'élever, on va se trouver avec moins de contamination. Mais malheureusement, les gens sont dans leur maison, la majeure partie des gens sont dans leur maison, donc ils ne sont pas exposés au soleil. Donc et ça, c'est problématique sur le plan sanitaire. Vous savez que lorsque les gens n'arrive pas à être exposé en permanence au soleil, ça peut donc il peut avoir des risques de santé. Donc les gens doivent au moins, comme l'Espagne il l'a fait, ils ont laissé les gens sortir à une distance bien déterminée le samedi et dimanche pour qu'ils puissent donc prendre un peu de soleil, hein. Et aussi marcher, parce que même sur le plan santé, le fait de quitter donc la maison et marcher un peu, faire une petite marche, ça va aider parce que vous savez, la santé, elle a un coût. Et si on laisse les gens confinés pendant des longues durées, et on risque d'avoir aussi d'autres dépenses budgétaires suite aux maladies que les gens peuvent avoir dans le cadre de confinement. Alors justement, il y a une question en parlant de marcher, de prendre un peu de soleil. J'ai une question à propos des salles de sport de Madame Mona Halim et qui demande, puisqu'elle est dans le secteur du sport, elle a une salle de sport, comment est-ce qu'on pourrait recommencer notre activité en tenant compte des mesures sanitaires ou de sécurité dans une salle de sport, comme vous savez. Donc ici, pour les gens, comme j'ai dit, c'est la même chose pour les hôtels, les restaurants. Il faut qu'on donne un bon signal, qu'on est prêt, qu'on a mis en place des dispositifs. Si, donc on ne va pas se hasarder à ouvrir des hammams, des spas, des salles de sport devant les gens, alors qu'il n'y a aucune mesure sanitaire qui a été mise en place par ces institutions. Donc il faut que ces gens... en concertation avec les spécialistes, ils doivent voir comment, au niveau international, qu'est-ce qu'ils ont mis comme dispositif à leur porte pour contrôler les entrées et sorties afin de s'assurer que celui qui va venir bénéficier de ce service-là ne va pas être contaminé au niveau de leur établissement. Donc, voilà la solution.
Donc, on doit donner un message. Un message, on doit communiquer sur ces choses-là. Que les gens se sentent bien, c'est pas sans hésiter. Donc, doter des moyens, des dispositifs sanitaires nécessaires. Donc, moi, j'ai vu ça à travers les documentaires, donc dans les pays qui ont déconfiné presque totalement. Merci beaucoup, Cédric Efna, pour votre présence, pour vos éclaircissements et toutes les informations que vous nous avez dotées pendant cette matinée. Je vous demande un dernier mot pour clôturer, s'il vous plaît. Un conseil pour les entrepreneurs. Un conseil, c'est qu'il faut rester optimiste, parce que vous savez que l'économie, s'il n'y a pas d'optimisme, donc les choses ne vont pas marcher. Donc, il faut rester optimiste. Il faut donner des messages d'optimisme à tout le monde, parce que les gens, vous savez que les gens ne consomment pas lorsque les horizons ne sont pas clairs. Donc, les gens qui voudraient acheter surtout les biens durables, télévision, frigidaire, acheter une maison, etc., ne vont pas acheter si les perspectives ne sont pas claires, s'ils ne voient pas clair l'avenir. Donc, les gens vont au contraire vendre ce qu'ils ont pour garder la liquidité. Donc, il faut qu'on donne des bons messages aux citoyens comme quoi les choses vont bien évoluer prochainement pour que la consommation se relance. Donc, il faut faire un effort de relance de la consommation de la part des banques, parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi le débat et moi, j'ai déjà émis ces observations, c'est que nous avons des banques, malheureusement, qui coûtent cher pour l'économie. Vous savez, le Banque du Maroc, il a baissé le taux directeur jusqu'à maintenant 2 points. Comment les banques, ils gardent toujours les 5, les 5,7 et même 6 points? Ça, c'est aberrant. Donc, il faut qu'ils révisent leur taux appliqué aux différents types de crédits à l'entreprise. Et faut-il réfléchir vraiment pour tout ce qui est consommation à des taux zéro? Donc, donner. Et tout ce qui est investissement aussi, donc tout ce qui est crédit à la trésorerie, crédit donc à l'équipement et crédit à la consommation, et même au logement pour cette période-là, pour au moins une année, donc des crédits à taux zéro. Donc pourquoi ne pas donc aller dans cette perspective-là pour relancer rapidement. C'est pas seulement relancer suite à cette crise-là, parce que le Maroc et l'économie marocaine avaient besoin de relance même avant qu'on rentre dans la crise de la pandémie, parce que la situation était vraiment donc mal à l'aise. Donc, moi, je dis qu'il faut réfléchir à cette option-là de relancer à travers la consommation et l'investissement. Et merci. On espère que ça voie le jour un jour, et très prochainement. Merci beaucoup. En tous les cas, je vous remercie au nom du Club des dirigeants. Monsieur Driss Dreyf, qui est président du Club des dirigeants, un dernier mot avant de clôturer la séance d'aujourd'hui, Monsieur Driss Dreyf. Oui, si vous voulez. Un gros merci. Donc, je veux juste remercier notre ami Cédric Fina. Et vraiment, c'était très riche, très, très intéressant ce que vous avez évoqué ce matin. On a vraiment appris beaucoup de choses de vous ce matin et je vous donne. J'espère aussi vous retrouver ou là vous rencontrer dans très prochainement dans une autre conférence, Inch'Allah, pourquoi pas en temps réel, physiquement, dans un hôtel, etc. Entre les membres du club des dirigeants et merci encore une fois et à très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Cédric Dreyf, merci beaucoup Cédric Efna pour cette matinée, merci à toute l'audience qui nous a suivis depuis les réseaux sociaux et puis directement depuis Zoom. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h avec Madame Soraya Ghlit pour les 12 principes de la réussite, une autre note positive courant ce mois de Ramadan. Je vous donne rendez-vous ce soir donc, 21h, n'oubliez pas et soyez nombreux. Prenez soin de vous et prenez garde de vos enfants. À tout à l'heure.